Wesh. Wesh, regarde tout ce qu'il y a. Wesh, la dinguerie. Attends, faut se concentrer, les gars. Faut se concentrer si on voit un huge ou un Titanic, là. Dans cette vidéo, les gars, il y a un huge de fou à gagner. Et ne calculez pas la zone VIP qui ne marche pas. Elle est juste cassée. Vous inquiétez pas, j'ai évidemment le VIP, hein. Ouais, voilà quoi. Mais du coup, trêve de blabla. Aujourd'hui, le thème, les gars, c'est les huge dorés. Et vous pouvez remercier Phoenix dans les commentaires parce que c'est lui qui me les a donnés. Il m'a dit, tiens, pourquoi pas faire gagner un huge aux abonnés. Il a même pensé à ceux qui ne gagneraient pas le huge. Il a donné un exclusif en bonus. Du coup, je vais vous expliquer comment ça marche, les gars. Ça va être très simple. Pour participer, les gars, pour le huge, vous allez devoir trouver le message secret. Le message secret, il sera caché n'importe où dans la vidéo. Ça sera une sorte de phrase écrite quelque part. Quand vous la verrez, vous saurez directement que c'est le message secret. Et pour l'exclusif, vous n'avez pas besoin de message secret. Ça veut dire que vous avez juste à marquer « Je participe » avec votre pseudo Roblox et vous pourrez participer pour l'exclusif. Et pour le huge, du coup, il faut obligatoirement le message secret. L'exclusif, il vaut 7 900 000 diamants. C'est vraiment pas mal pour un exclusif. Et le huge, c'est un huge golden, les gars, qui vaut 82 millions, c'est encore mieux, avec un overload charme et il est niveau 1. Donc là, c'est vraiment un huge de malade, les gars. Ça régale de fou. Donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Et puis sur ce, les gars, je vous souhaite bonne chance. Et on va voir le vainqueur du résultat du huge mushroom juste maintenant. Dans la dernière vidéo, il y avait un huge mushroom à gagner. Et aujourd'hui, parmi tous les commentaires, on va tirer au sort les vainqueurs. Du coup, c'est parti. On rentre l'URL de la vidéo YouTube. On fait select random comment. Et le vainqueur, c'est animé edit. Et le code, c'est bon anniversaire. Alors, c'est très bien, il a mis le code, mais il n'a pas mis son pseudo. Donc, attendez, je vais aller chercher. Ok, les gars, j'ai recherché sur YouTube dans mes commentaires pour voir son pseudo. Et j'ai réussi à le trouver. Mais par contre, la prochaine fois, les gars, s'il vous plaît, mettez le message secret et votre pseudo dans le même message. Ça m'évite de chercher sur YouTube votre pseudo. Mais bon, pour cette fois, on va faire une exception. Bon, les cadeaux, ils étaient complètement buggés, les gars, dans l'autre monde. Du coup, on va aller dans le monde 1. Mais je crois que le jeu, en ce moment, il est vraiment buggé. Ok, là ça a marché et du coup on va lui envoyer le petit huge Joe Mama. GG, tu as gagné. Hop, oui, envoyé, oui, oui, envoyé. Bon, il faut attendre 30 secondes. Non les gars, c'est quoi ce jeu de Bayzaï? GG, tu as gagné. Cette fois ça va marcher j'espère. Oui, oui, oui. Et tadam, cadeau envoyé. Et surtout huge envoyé. Ok, 18h, OMG, c'est parti. Attends, pourquoi? Regardez. L de démon, L d'ange, et moi, L de la reine des neiges, frère. Pourquoi j'ai des ailes de la reine des neiges? J'ai perdu mes ailes, frère. J'ai perdu mes ailes. Bon, ça lance ou ça lance pas, là? C'est un peu long, cette histoire, dis donc. Si tu bouges sur Roblox, t'es gay. Ah ben, je bouge pas, frère. Oh, ça relance. OMG. OMG. C'est parti, les mecs. Ok, l'icône de profil, il a changé. Mais bon, ça, je l'ai déjà vu à cause des Hyrox, parce qu'il nous a tout spoilé. Oui, c'est bon, ok, ça lance les mecs, ça lance, ça lance. Pour une fois que ça me lance en avance. Ok, attention. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Une nouvelle zone d'event, des nouveaux œufs, des nouveaux pets, des nouveaux huge limités. Un œuf en diamant, ça, Hyrox, il m'a tout spoilé. Donc ça va être un œuf, mais il faut payer avec des diamants, les gars, c'est bizarre. Un nouveau raid encore? Oh non, pas le retour des raids. Raid leaderboard, good versus evil contest. Ah, mais il y a encore le truc, ok. Angélique enchante, démon enchante. Donc ça c'est deux nouveaux enchantes. Après on a Diamond versus... Quoi? Diamond gift, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est un hunter enchante. Bon, on s'en balèque. Et huge versus... Versus je sais pas quoi, j'ai rien compris. Ok, les hype egg aussi dans une heure, comme d'habitude, ça on connaît. Bon bah les gars, je pense que le premier truc à faire, vous le savez déjà, c'est regarder la petite boutique, wesh. Attends. Eh, pour une fois qu'on a des huge plus stylés, parce que... Avouez pour l'instant les mecs, même si vous êtes de la team des démons, avouez pour l'instant les plus stylés c'était les anges. Les huge des anges ils étaient incroyables alors que nous ils étaient trop gaze. Mais là il a l'air plus stylé le démon. Alors que l'ange c'est juste un petit chien. Et du coup vous avez un angélique supérieur, c'est que 5 fois, mais je sais pas ça fait quoi. Ça fait plus de dégâts, bon c'est nul. Ça fait des joueurs des éclairs. Et là un diamond gift hunter, ça met un gros coffre de... What? On peut pas cliquer dessus? Bah en gros ça met un gros truc de diamant. Regardez les gars, Titanic dans une heure. Non pas une heure, dans une journée. On peut pas cliquer dessus ça, pour aller sur le site mais... Voilà. Tadam. Mais je crois que j'ai plus de Robux. Ah non, il me manque 9 Robux, dommage. Et après il y a quoi en bas? Du coup il y a un nouvel enchant à 3200. Mais là frérot ils veulent se mettre bien. Je crois que c'est 100€ non? Mec 100 balles pour un enchant. Mais après je vais l'acheter, peut-être. Peut-être pas, on verra.
Ou peut-être que je vais l'acheter. Ou peut-être que je vais pas l'acheter. J'avais oublié de me connecter. Ah mais oui, connectez-vous les mecs. D'ailleurs, j'ai récupéré mes petites ailes, moi. Super cool. Et là, il y a quoi? Bon, c'est pareil. Ok, et ben on retourne tout au bout. C'est parti. D'ailleurs, je vais mettre la qualité au maximum. Si jamais le lag il live. Non, l'inverse, c'est l'inverse. Si jamais le live il lag, pas le lag qui live. Puisque les lags, ça fait pas de live. Et ben vous me dites que ça lag et. Puis voilà. Ok, 20 rainbow, c'est parti. Quitte pas le monde. Ah, il y a une machine, ok. Pas bête, pas bête, pas bête. Vous pensez qu'il faut le faire dans la machine, c'est ça? Attends. Et si je le fais dans la machine, vous pensez que ça marche? Attends, je vais quitter. Enfin, je vais pas quitter. Je vais tester. Gogol. Ben frère. Ah, ça a marché. Ok. Vous êtes des bons. Je savais pas. Il reste 10 trucs à casser. Ok, c'est bon. Finito pipo. Oh mec, il y a combien de zones? Ok, là, faut faire 40 rainbow. C'est parti. Attends, mais c'est la première fois qu'ils mettent pas 10 zones. Je comprends pas. Les gars, il y a que 3 nouvelles zones. C'est trop bizarre. Mais c'est trop chelou. De base, il y a toujours 5 zones au max. Genre, au moins 5 zones. 5 zones ou 10 zones. Au moins. Là, il n'y en a que 3. Comment ça, il y a 3 zones? Genre, les développeurs, ils avaient la flemme, c'est ça? Les gars, les développeurs, ils avaient la flemme. Ils se sont dit, pourquoi faire 5 zones quand on peut en faire que 3? Frère, ils abusent. Ok, encore 8. Oh, j'ai eu un truc. Attends, j'ai eu un truc. What? Attends, vous avez vu ou pas, les gars? Attends, j'ai eu un truc, mais je sais pas c'était quoi. J'ai vu un truc. Je vous promets, j'ai vu un truc. What the fuck, OMG? Attends, mais quoi? Pourquoi tu dis OMG? J'ai eu un truc, mais je sais pas ce que c'était. J'ai pas bien vu. Si vous avez vu, les gars, ce que j'ai eu, dites-moi. 60 rainbow, ok. T'as eu le huge? Arrête, arrête. Mens pas. Attends, je vais regarder. Tu crois que j'ai le huge? Attends. Oh non, c'est ça que j'ai eu! Démonique! Attends, je vais le vendre, frère. OMG. Imaginez, c'est ultra rare. Garde-le. Ok, c'est bon, je le garde, je le garde. Je retourne farmer, c'est parti. J'avais pas des rainbows à faire, moi. Alors attendez. Bah, si la machine elle veut bien, hop. Je sais pas s'il fallait en faire combien, 200 je crois. Please pour le concours. De quoi? Le livre? Mais t'es fou. T'es fou. Tu veux que je fasse gagner le livre pour le concours? Ok, on y est presque. Oh, vous avez vu ou pas? Vous avez vu le petit éclair, les gars? Eh bah c'est ça l'enchante. C'est ça le nouvel enchante. Ok, on avance. Ouh, ok. Alors attends, je vais poser mes pets là. Du coup, vous avez vu le nouvel enchant que j'ai packé tout à l'heure. En gros, il met des éclairs rouges comme la foudre un peu. Ok, du coup, je suis arrivé dans la dernière zone. Ouais, c'est quoi ce truc? Oula! Attends, j'en achète un juste pour voir. Tout, 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 tout. Ok. Stylé. Les gars, vous en pensez quoi de ça? C'est la roue des diamants. Regardez. Attends, il est où le petit dragon? Il est là. Il est stylé en vrai. Du coup, les gars, l'œuf il coûte 50 diamants. Regardez, 50 diamants. Vous avez 100% de chance d'avoir le pet et 0% d'avoir le huge. Mais oui, c'est de l'arnaque, frère. Ils sont gogol. 100% de chance d'avoir ça et 0% d'avoir ça. Ok, alors, Angel vs Démon, Good versus Evil, blablabla. Event Zone, to the castle through Evil Depths. Good versus Evil, Final Week. Ok, donc là, c'est la dernière semaine, les gars. C'est confirmé en plus. C'est la dernière semaine de l'event. Après, il n'y aura plus d'event. C'est comme les backrooms. C'est finito pipo. Donc, si vous voulez avoir l'un des huge, c'est maintenant. Sinon, après, c'est ciao. Et les huge, ils vont monter très cher en prix. Donc, jusqu'à samedi. Vous avez le temps de farmer. Ok, ensuite, on a quoi? New egg, your face chosen, blablabla. Attends, quoi? Your teams? Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on pouvait changer de team. Ça aurait été bien en vrai. Ça aurait été bien de changer de team. Imaginez, vous changez de team, vous êtes un ange. C'est cool en vrai. Mais bon, malheureusement, on peut pas changer de team. Get to the end, blablabla. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Ok, nouveau pets. Oh, mais l'Axolotl, il est incroyable. On a le sage Axolotl, c'est celui-là, celui que j'aime bien. Et celui-là, vous pouvez l'avoir dans les œufs, les gars, au dernier endroit. Ensuite, vous avez l'agonie. Donc celui-là, qu'on peut avoir pareil au dernier œuf. C'est comme l'event de il y a quelques jours, mais c'est des nouveaux, quoi. Après, lui, le dragon, derrière. Celui-là, on peut l'avoir dans l'œuf des diamants. Et puis après, il y aura... Attends, c'est quoi ça? Chance to get the 3 huge from last week. Ah oui. Du coup, les 3 anciens huge, ils sont encore à gagner. Ok, ensuite. Diamond Egg. Blablabla. Very limited. Attends, quoi? 2500? Attends. Je vais le faire. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. J'avais pas vu, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Les gars, ouvrez tous l'œuf. Ouvrez tous, ouvrez tous, ouvrez tous. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouvrez tous l'œuf des diamants tout de suite, tout de suite, tout de suite.
Même si vous n'avez pas de diamant, les mecs. Très important. J'avais pas vu. Purée. En gros, les gars, à partir du moment où il y a 2500 huge qui sont ouverts, l'œuf, il est fini. Il disparaît. C'est ce que je t'ai dit. Oui, mais j'avais pas compris, Mathéo. T'avais mal expliqué. En gros, les mecs, à l'instant où il y a un mec qui va avoir le 2500e huge dragon, l'œuf, il va disparaître et on pourra plus jamais l'avoir. Donc, je vous remontre à quoi il ressemble. C'est lui, là. Le dragon comme ça. Ok? Donc, les gars, faut claquer toutes vos gemmes dessus. Parce que sinon il va disparaître après. Ok, ensuite. Time to troll ici. Ok, ça c'est le raid ça. Le raid les gars, dans 30 minutes, on va le faire tous ensemble. Ceux qui veulent rejoindre, on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc c'est comme à l'époque du monde technologique. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc toutes les... Ah non, c'est toutes les 2 heures. Ok, mais du coup ça commence à 19h. Et donc pour participer au raid, blablabla, voyez où est-ce que vous pouvez aller. Et les récompenses, c'est du coup les deux nouveaux huge. Ok, donc ceux-là, les deux là. Ils sont dans le raid aussi. Ok, bah carré. Raid leaderboard. Ok, bah ceux qui sont top 25 dans le raid, ils ont un huge. En vrai, ça, je pense, c'est un huge presque gratuit. Parce qu'en fait, les gars, le raid, c'est toutes les 2 heures. Et faut être vraiment déterminé. S'il y a quelqu'un qui est déterminé de ouf, faites le raid toutes les 2 heures. Genre tous les jours pendant une semaine, les gars, vous faites le raid. Et toutes les 2 heures, tout le temps, vous le faites. Et je pense que vous serez presque garanti d'avoir un huge. Perso, moi, j'ai la flemme de fou de faire le raid toutes les 2 heures. Mais si jamais vous n'avez pas la flemme, vous êtes déterminé, je pense que c'est une méthode facile d'avoir un huge. Parce qu'il y aura très peu de gens qui vont le faire. Les raids, en général, c'est un truc trop long et les gens, ils aiment pas le faire. Donc je pense que si vous êtes vraiment actif dans les raids, vous pourrez avoir le huge gratuit. Parce que si vous êtes top 1000 parmi les raids, vous allez avoir le petit axolotl ou le démon. Et si top 250, golden, etc. Donc ça, faut vraiment être déterminé. Perso, j'ai la flemme, donc je vais pas le faire. Du coup, la compétition, elle a été restart. Et la... Non! Ah si, ok, ça. Attends, quoi? Non! Non, c'est des bâtards! Non, les gars, la team des démons, on est un peu triste, là. On est un peu triste dans le chat. Regardez ce qu'ils ont marqué. La team des perdants ont gagné 1% de bonus. En gros, les gars, les anges, ils ont 1% de bonus sur leurs ouvertures. Ça veut dire, admettons... Il y a un mec, il ouvre un huge, ok? De la team des anges. Au lieu de gagner 1 million de points comme les démons, ils vont gagner 1 million 100 000. Et on peut croire que c'est pas beaucoup. On peut croire que c'est pas beaucoup, les gars. Sauf que sur des milliards, c'est énorme. En gros, au lieu d'avoir par exemple 1 milliard, ils vont avoir 1 milliard 100 millions, tu vois. Et c'est énorme en vrai, 1%. 1 million 500 000. Mais non, c'est pas compté. C'est 1% en plus. Attends. Bon bref, ça se trouve c'est moi qui sais pas compter, mais en gros ils ont 1%. Bon, en gros ils vont gagner quoi, voilà, vous voulez que je dise les termes, je dis les termes. En gros ils vont gagner. En fait je pense, le problème c'est que Big Games, ils ont vu que la team des démons, bah ils ont tout gagné la première semaine, du coup ils ont fait exprès de mettre ça pour qu'on perde. Donc bon, les anges, bien joué à vous, vous avez gagné en trichant, c'est pas grave, bien joué. Voilà, Big Games, ils vous ont aidé à gagner, c'est pas grave, c'est la vie d'artiste. Les démons, force à nous, force à nous. Par contre, si vraiment on arrive à les battre alors qu'ils ont 1% en plus, mec, on est vraiment des génies. Mais ça m'étonnerait en vrai. Ok, ensuite les enchantes. Merci, merci. Ouais, mes frères, vous êtes des tricheurs. Carrément, il y a le patron de Big Games, il a dit non, ils sont en train de perdre, on leur met des bâtons dans les roues. Les démons, c'est pas possible. On est intelligent. Mais non, frère, vous êtes des tricheurs. Frère, Preston, il a dit, c'est pas possible. Ils sont trop forts, les démons. Par contre, mon rêve qu'on gagne quand même. Les gars, si on gagne quand même, les gars, on est vraiment trop fort. Si on gagne alors que on a des malus, même Preston, il nous met des bâtons dans les roues, ce serait incroyable. Ok, les enchantes. Du coup, l'enchant version ange, il est comme ça, voilà, c'est une petite plume. Et il met des éclairs, bam bam. Ensuite, le démon, c'est pareil, mais en version rouge. Ah, pour le coup, tu vois, depuis tout à l'heure, les gars, je dis que je préfère les huge des anges. Par contre, l'enchant, je préfère le rouge, clairement. Ça met un laser de malade sur la map. C'est une masterclass. Regardez comment c'est stylé. Ah, y a une mouche sur mon écran. Ok. Et là, du coup, bah, c'est juste un laser tout jaune. En vrai, il est pas très beau. Alors que là, c'est un big laser. Ok, ensuite, il y a quoi? Diamond, je sais pas quoi. 5 millions de diamants, ok. Et on peut l'ouvrir. Attends, mes frères, il y a une mouche qui se balade. Attends, je la tue. Bouge de là. Aïe, aïe, aïe. Mais frère, elle veut pas mourir. C'est quoi l'event Titanic dans le shop? C'est pas un event. Je vais vous expliquer, attends. Du coup, le truc, je sais pas s'il est trop rentable en vrai. Si vous êtes des gros pigeons, les gars, vous pouvez l'acheter. Il coûte 100 euros.
Et puis pour 100 euros, vous avez un livre diamant qui vous donne 5 millions de diamants tous les quelques temps. Ça peut être rentable, mais c'est pour les pigeons, quoi. Du coup, ouais, ça, pas trop rentable, mais si vous êtes riche, bah, vous pouvez l'acheter, ça vous donne plein de diamants, c'est cool. Ensuite, Angel versus Demon, New Limited Pets. C'est quoi ça? Huge Devil Dominus War... Attends, comment on les a, ceux-là? Ah, c'est dans le Forever Pack. Ok, je comprenais pas. Bah, les gars, dans le chat, depuis tout à l'heure, quand j'avais demandé vos huge préférés, vous m'avez dit le loup. Et bah, le loup, malheureusement pour vous, il est pay to win. Eh oui. Et il y avait un mec aussi qui avait dit le squelette. Malheureusement, les gars, c'est pay to win. Pay to win, les deux. Il coûte pas 100 euros, c'est 40. Ah, ok, bah, désolé, je me suis trompé. Mais 40 euros, c'est quand même plutôt cher. Du coup, voilà, les deux nouveaux huge, ils sont pay to win. Tous ceux qui voulaient le loup, malheureusement pour vous, les gars, je suis désolé, faudra payer dans le Forever Pack. Et il y aura aussi, du coup, le. Les... Non, il n'y a pas les deux nouveaux, je crois. Ok. Ils ont laissé les anciens huge, mais pas les nouveaux. Et après, là, le Forever Pack, blabla. Oh! Trop stylé! Ils ont refait le site de Big Games. Trop bien. Regardez, c'est trop joli. Ah non, c'est pour voir les values. Oh, j'ai eu trop peur. Les gars, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'ils allaient vendre des pets sur le site. J'allais dire, ils sont fous. Mais non, en fait, c'est pour savoir la value des items. Parce que vous savez, il y a des sites comme Cosmic Value, etc. Des fois, ils arnaquent un peu les gens. Ils mettent des fausses. Des faux prix à des huge ou à des titaniques pour contrôler le marché. Et bah là, du coup, Big Games, ils vont sortir leur vrai site, les gars, pour voir les valeurs. Donc, si jamais vous avez un huge qui est plutôt rare, au lieu d'aller sur des sites frauduleux pour voir le prix, et bah vous verrez sur le site officiel de Big Games le prix de votre petit huge. Ensuite, il y a quoi? Transfert, c'est quoi? Ah, c'est pour transférer le clan. Bah, si jamais Guillaume il arrête de jouer à Pet Simulator, je veux bien qu'il mette chef du clan en vrai. Ok, stylé. Si jamais vous voulez. Plus être le chef, bah voilà. Ils ont rajouté des petits boutons de téléportation, les gars, pourquoi pas. Added number back to index machine, ok. Il y avait un bug, on voyait pas le nombre, bon, on s'en fiche un peu. Et après, le reste, on a déjà vu, c'est les bugs, on s'en fout. Un petit. Bah, c'est le nouveau en plus, en rainbow. Donc, gros GG à lui. Plutôt stylé aussi en vrai. Mais c'est le même que l'autre, mais en golden, malheureusement. Aerox, il a packé deux fois le nouveau Huge en shiny. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous montrer, c'est sur le serveur Discord NQ Pet Simulator. Donc, si vous voulez rejoindre, il y a dans la description normalement. Donc là, il a packé l'ancien Huge. Celui dans le chat, les gars, qui nous avait dit qu'il l'avait eu. Bah, regardez. Tadam! Il a eu le nouveau. Il l'a packé. Attends, mes frères. Bah, gros GG. Les gars, 8 millions, c'est une dinguerie. Moi, je pense que j'abandonne en vrai. C'est vaut mieux abandonner. J'ai la flemme en fait. Quand j'ai vu 8 millions, je me suis dit, ça sert à rien en vrai. Vaut mieux aller sur un 9. Sur un 9 où t'es sûr d'avoir un huge parce que bon. 8 millions, c'est un peu de l'abus. D'ailleurs, on va regarder les cadeaux. Ajoute. Wesh! Attends, mais lui, il est fou! Abonnez-vous. Attends, d'ailleurs, on va remettre le son, les gars. Et c'est parti! Le petit raid. Yo, le fou, comment ça va? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Le raid, c'est parti. Ah, 2 minutes. Purée, faut attendre. Faut attendre, c'est des coquins. Bon, 1 seconde. Wesh! On l'a. Wesh, je le one shot. Attends, what the fuck? Wesh, attends. Attends. Moi, je suis désolé, les mecs qui sont avec moi. Wesh! Désolé aux mecs qui sont avec moi, les gars, je suis en train de tout one shot. Wesh. Désolé, les gars, désolé. Wesh, frère! Je one shot tous les coffres. Ils vont m'insulter. Ça se trouve, il y a des mecs qui ont même pas réussi à toucher un seul coffre depuis le début du raid. Putain. Les pauvres. Les gars, je suis désolé, je suis trop rapide. En plus, je crois que c'est même pas moi. Je sais pas. C'est soit moi ou soit un autre mec. J'ai l'impression qu'il y a un mec avec moi, il est trop rapide. On est en train de charbonner là. Ah, celui-là il est un peu plus long celui-là. J'ai pas pu rentrer à cause du bug. Ah bah force à lui. Regardez, il y en a, ils se font one shot. Wesh, mais c'est qui one shot tout ça comme ça là? Mais dis pas que c'est moi qui one shot les coffres quand même. Attends, avouez, je suis rapide quand même là. Je suis rapide. Attends, mais lui aussi il one shot vite les coffres, j'ai l'impression. Le mec avec son overboard vert là. Je sais pas si c'est lui. Tu peux m'ajouter? Mais j'ai plus de place dans mes amis, les gars. Je vous le dis souvent en plus. Parce que, en gros, de base, dans ma liste d'amis, genre, je devais avoir 50 amis sur 200. Et puis, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, bah, je mettais mon pseudo partout. Et du coup, bah, tous les abos, ils m'ont ajouté. Et j'étais vite au maximum. Du coup, tous les gens qui m'ont en ami, non, sur Roblox, normalement, c'est que des OG, tu vois. Des gens qui me suivaient sur Roblox, mais genre, il y a 2 mois. Et si vous venez d'arriver il y a, genre, un mois ou une semaine, bah, c'est normal que j'ai plus de place dans mes amis. Alors que si vous étiez là il y a 2 mois, je pense que vous avez réussi à m'ajouter. Ok, on continue. D'ailleurs, dites-moi les gars, tous ceux qui sont en train de faire le raid, vous êtes au raid numéro combien là? Vous êtes au raid combien les gars?
Ah d'ailleurs j'ai pas mis mes enchantes. Attends, j'ai oublié mes enchantes. Attendez, attendez, attendez. Je vais vite les changer. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Vite, vite, vite. Hop. Ok, c'est bon. Oh, ça va beaucoup plus vite. Oh oui, oui, oh oui. Ah oui, oui, oui. Ça va beaucoup plus vite. Ok, room 23, room 18, room 22, room 16, room 21, room 24. Ah, pour l'instant, je vous fume en vrai. Pour l'instant, je vous fume, les gars. Je suis room 28, moi. En plus, j'avais oublié mon enchant, les gars. Imaginez, j'avais mis mon enchant dès le début. Je serais room 40, là. Ah non, il y a un mec, il est room 31. Ah, mais c'est Liliane. Ou Iliane. Enfin, je sabote son pseudo tout le temps. C'est le mec qui a gagné l'exclusif. Bah, gros GG, frère. En plus de gagner un exclusif, il est fort au jeu. C'est room infini? Ouais, je sais. Mais ça dure 7 minutes. Donc on va voir jusqu'à où on peut aller. Et ce qui est cool en plus, c'est qu'à la fin du raid, tout le monde aura ses high peg. Parce qu'à chaque fois, il y a un mec... Désolé, je suis un peu malade. À chaque fois, les gars, il y a un mec, il me dit « Attends 5 minutes, s'il te plaît, j'ai pas mes high peg. » On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi le mec, il a toujours ses high peg en retard. Il y a toujours des mecs comme ça, qui ont leur high peg en retard. Et bah là, les gars, vous avez aucune excuse. Vous aurez tous vos high peg en même temps que moi. Vu que c'est dans 10 minutes en plus. Pronostic, tu finis room 57. Ok, bah moi je pronostique room 69. Et je dis pas ça parce que voilà. Je suis dégoûté, je me suis fait arnaquer 4 huge. Attends, mais comment tu t'es fait arnaquer 4 huge? Chef! Chef! Objectif room 69, les gars. Room 100? Non, pas room 100. Parce que même si on n'est pas à la moitié du timer, les coffres ils sont de plus en plus durs, les gars. Donc là, on pourrait croire que je pourrais aller jusqu'à la room 70, tu vois, vu qu'il reste la moitié du temps. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, les gars. Je pense qu'il y a des mecs qui m'ont abandonné ou. Vu que les coffres ils sont plus durs, je pense là tu peux en faire genre encore 10 ou 20, tu vois. 59. Mais dis pas que t'es à la room 59 déjà. J'ai crash à la room 45. Let's go, on va pouvoir le rattraper. D'ailleurs, vous me parlez de 69, les gars, dans le chat, mais vous voulez savoir il y a combien de spectateurs? 169 sur le live, comme par hasard. Comme par hasard. 169. Et moi j'ai envie de voir 169 likes. Chef, chef. Ok, on continue, on continue, on continue. Go, 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 go. Attends, mais par contre, en vrai de vrai, je casse plutôt vite les coffres. Attends, en vrai, mes pets, ils sont quand même plutôt résistants. Hein. Coïncidence, je ne crois pas, exactement. Salut Maurice, comment ça va? Tu live bien sur Twitch à 20h30? Exactement, exactement. Tous les soirs 20h30. Si jamais vous voulez voir que du Pet Simulator sur Twitch, c'est mercredi, samedi. Et sinon les gars, tous les soirs on fait plein de jeux différents. La dernière fois on a fait Minecraft avec les abos. On a fait du Brawl Star. On a fait du Stumble Guys aussi. Du Fortnite etc, etc. Mettez des likes comme ça il fait des giveaways. Ah toi t'es malin toi. Lui il est malin. Lui il est malin. T'es malin, t'es malin. Ok, on continue, on continue. On est presque à la room 50. Déjà on a dépassé Liliane. Non, Iliane. Pourquoi je dis Liliane à chaque fois? Accepte le trade. Bah je peux pas trade dans les raids là. Tu sais quand t'es dans un mini-jeu tu peux pas trade. Est-ce que t'es beau? Ah bah fallait être là sur le live frérot. Fallait être là sur le live 24h. Pet Simulator ce soir, exactement, exactement. Ce soir les gars on va farmer de fou furieux le huge. Je suis room 81. Menteur, oh le menteur. Dites lui que c'est un menteur les gars. C'est un menteur. Comment ça room 81? Menteur. Même avec 10 Titanic, c'est impossible. J'avais vu un message aussi, c'était « Est-ce que tu fumes ?» Non, je ne fume pas. Room 32. En vrai, 32, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi, les gars, attention. Room 50. Ok. Déjà, room 50, c'est pas mal. Déjà, franchement, c'est vraiment pas mal. Mais objectif, room 69. Moi, je suis 59. En vrai, 59, je pense, j'ai envie de te croire, en vrai. 59, j'ai envie de te croire. C'est possible, c'est possible. Je te crois, je te crois. 54, vas-y, 54, toi aussi je te crois. En plus, t'as packé un huge tout à l'heure, donc c'est sûr, tu mens pas. Perso, room 0. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, room 50 pour l'instant, mais toujours pas le huge, les gars. Si quelqu'un le pack, n'hésitez pas à le dire. Room 50, 61. 61. Ouais. 61, j'y crois un petit peu. Ouais, par contre, je suis encore un peu malade là. Je sens ma gorge. Room 33 sans huge. Oh attends, j'ai entendu un bruit. Non. Vous avez entendu le bruit ou pas? Quand j'ai ouvert le coffre, ça a fait broom. Je me suis dit peut-être c'était huge, on sait pas. On sait pas.
Pardon. Prends tes Titanic. J'ai pas de Titanic, mon ref. D'ailleurs, je pourrais avoir les Titanic facilement en vrai. Les gars, j'ai deux solutions pour avoir les Titanic. Je vous explique. Première solution, acheter sur Big Games un Titanic à 250 euros. Ça, en vrai, c'est pas très compliqué. Faut juste trouver 250 euros et puis t'achètes ton Titanic. Deuxième solution, je vends tous mes huge, tous mes items, etc. Ça me fait à peu près genre 15 milliards. Et là, j'achète un Titanic. Ça, c'est les deux solutions. Problème. La deuxième solution, les gars, je vais jamais le faire. Parce que le problème, c'est que j'ai pas envie de vendre tous mes huge juste pour un Titanic, tu vois. C'est un peu triste en vrai. Surtout que c'est des huge que j'ai packés et tout. Donc malheureusement, la deuxième option, je la ferai pas. Après, il reste la première option, acheter à 250 balles. Et celle-là, j'hésite en vrai. Je vous promets, j'hésite parce que... En fait, 250 balles, c'est cher de malade pour un Titanic, mais... En même temps, j'ai envie de te dire, pour packer dans les œufs, bah, c'est encore plus cher parce que c'est très rare dans les œufs. Il faut au moins genre 1000 ou 2000 ou 3000 euros d'œufs pour avoir le Titanic. Et même, c'est pas sûr. Donc bon. C'est pour ça que je préfère prendre mon temps, les gars. Et puis en plus, ça laisse du suspense et du plaisir. Le problème d'avoir un Titanic trop vite, après, t'as plus de plaisir. Parce que là, regarde, j'ai déjà presque plein de huge, des huge shiny, des rainbow et tout. Donc c'est déjà trop bien. Et maintenant, la prochaine étape, c'est Titanic. Et comme ça, bah... Il me reste un objectif, tu vois. Alors que là, si jamais j'achète un Titanic, bah j'ai plus d'objectif sur le jeu. Parce qu'avoir un Titanic, c'est l'objectif final, tu vois. C'est... Genre, t'as un Titanic. C'est incroyable. Et après, il y a plus rien à faire dans le jeu. Pour moi, dès que t'as un Titanic, t'as fini le jeu. J'ai un pote, il vient de commencer, il a acheté un œuf Titanic. Ah non, il a acheté un œuf normal, il a eu le Titanic. Ah, genre, il venait de commencer le jeu, il a eu un œuf. Et il a eu le Titanic. Mec, c'est incroyable. Ça va être neuf la room 69. Non, ça va pas être dur, t'inquiète. Les gars, vite, faut tryhard. Non, je spam. Allez, une minute. Oh, ça va être chaud. Source, t'inquiète, frère. J'avoue. Allez, la room 69, frère. Qui y croit, les gars, dans le chat? Qui y croit dans le chat? Est-ce qu'on va réussir la room 69 en 50 secondes? Moi, je pense qu'on aurait clairement pu réussir si j'avais mis mes enchantes dans le chat. Qu'est-ce que je raconte? Dans le jeu. Mais le problème, c'est que j'ai pas mis tous mes enchantes au début. Donc j'ai loupé 5 minutes sans enchantes. Donc malheureusement, là, ça va être compliqué. Il reste 30 secondes. On est à la room 65 pour l'instant. Moi, je pense qu'on va être à la room 6-6. La room 6-6, comme les démons. Ok, et bah malheureusement les gars, on ne sera pas à la room 69. Coup dur les gars. Pas la room 69. Room 66, grand maximum. Ah, peut-être la 67, attendez. OMG, vite. Ok, nice, ok, 67. Et bah gros GG, c'est déjà bien en vrai. Ok. GG les gars, GG, 67. C'est pas mal en vrai. Il se passe quoi là? Oh non, c'est pas... Non, mais dis pas que c'est bugué. Non. Ah, purée, ils ont bugué le jeu, frère. Je vais retourner là-bas. Les high-peg? Ouais, t'inquiète. Attends. Je vais reprendre mes enchantes. Salut Ethan, comment ça va? Les gars, le jeu il a bug. Le jeu il a bugué. Frère, j'ai vraiment un PC de chiasse. Non, c'est pas toi, c'est tout le jeu. Enfin, c'est tout le monde, quoi. J'ai crash. Ouais, les mecs, le jeu, il a crash. Ça a bug, exactement. Je vais essayer de voir si je peux aller jusqu'au bout. Non! No way. C'est bon? Ah ouais, c'est bon, ça marche? Attendez. Moi, pour l'instant, ça marche pas. Oh, OMG, ça relance. Moi j'ai fini room 69. Jure, incroyable. Putain, moi aussi ça m'a fait la même. Eh ouais les mecs. On a tous eu ça, malheureusement. Allez, ça relance. Ah, ça re-relance carrément. Toi aussi ça t'a fait ça? Non, pas moi. J'ai marqué, il faut tout ouvrir d'un coup et bien spammer. Ah frère, il y a un mec qui l'a ouvert. Vas-y frère, il y a un mec qui l'a ouvert avant tout le monde. C'est pas grave. Go. Il a tout niqué, mais c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. On rattrape sa connerie. wesh. Wesh, regarde tout ce qu'il y a. Wesh, la dinguerie. Attends, faut se concentrer, les gars.
Faut se concentrer si on voit un huge ou un Titanic là. Wesh, tout ce qui s'ouvre là. Attends, pour l'instant j'ai rien vu les gars. Attends, s'il n'y a pas un seul huge, je vais pleurer moi. Wesh. Mec, y'a... Oh le flop. Oh le flop. Oh le flop. Oh le flop. OMG, je l'ai eu. Ah si, y'a un mec qui l'a eu, je crois, attends. Je crois y'a un mec qui l'a eu. Mais j'ai pas vu moi. Qui a vu des huge les gars sur le live? Y'a eu un huge. Oh jure, y'a eu un huge. Ok, nice. Ok, nice, nice, nice. J'avais peur que ça soit un flop. Deux huge. En fait, c'est juste moi qui suis aveugle, je crois, les gars. Ça continue, ça continue, ça continue. Si vous avez... Oh, oh, oh! Regardez, regardez, regardez! Lui, il est rare de fou. Lui, il est rare de fou, les gars. Oh, gros GG. GG. Oh, lui, il est rare, les gars. Lui, il est super rare. GG, frère. Je crois qu'il est... Attends, si j'ai pas de la merde, les gars. Je crois qu'il est plus rare que les Hypeg, lui. Bah, GG, les mecs. C'est moitié flop, en vrai. Mitigé. Je crois qu'il y a un mec qui a eu le dragon, mais moi j'ai pas vu perso. Il y avait tellement d'œufs qui s'ouvraient, les gars, j'ai pas vu. Mais je crois qu'il y a un mec qui a eu le dragon, les gars. Et il y a un mec qui a eu le huge. Bah, vous avez vu de toute façon l'autre. La libellule blanche. Ok, bah, gros GG.